ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا إخوتي الكرام فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ما زلنا في دراسة هذا الكتاب القيم الجليل ألفه إمام من أئمة السنة في هذا العصر ألا وهو محمد سعد رسلان حفظه الله تبارك وتعالى هذا الكتاب كما ذكرنا ذلك مرارا يحتوي على عدة مسائل بل يحتوي على عدة أصول من أصول المنهج النبوي أو أصول أهل السنة والجماعة فنشكر الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يتدارسون هذا الكتاب نعم فنحن في حاجة ماسة إلى معرفة هذه الأمور لكي نكون على بصيرة من أمرنا في الدنيا وفي ديننا طيب ندخل في باب جديد من أبواب هذا الكتاب سماه المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى موقف أهل السنة من أهل البدع Donc mes frères, Inch'Allah, nous sommes toujours dans la continuité de l'explication de ce livre qui s'appelle « Da'aimu Manhaj al-Nubuwa » les fondements de la voie prophétique. Les fondements de la voie prophétique, un livre qui a été rédigé par Mohammed Saad Raslan, qui est un savant contemporain. Qu'Allah le raffermisse dans cette voie-là, jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. Et nous sommes arrivés à un nouveau chapitre qui s'intitule « La position des gens de la Sunna envers les gens de l'innovation ». La position des gens de la Sunna envers les gens de l'innovation. Alors ce chapitre, mes frères, il viendra nous expliquer, mettre en évidence, éclaircir le comportement que doivent adopter les gens de la Sunna envers les gens de l'innovation. Et ceci, c'est très important car, comme nous l'avions déjà expliqué, le combat entre le vrai et le faux est apparu dès les premiers temps. Dès que Adam fut créé, il y a eu cette confrontation entre le bien et le mal ou entre le vrai et le faux. Quelque chose qui relève des lois universelles d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est quelque chose sur laquelle on ne peut déroger. Il en est de même aussi dès l'avènement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a été sujet à toutes sortes de confrontations, préjudices, morales ou physiques. Il en est de même aussi des compagnons du prophète et ceux qui les ont suivis dans cette voie-là. Donc ils ont toujours été confrontés au faux, à l'égarement, à l'ignorance, à l'innovation religieuse. Donc c'est un combat qui est perpétuel. Et ce combat-là, il perdure jusqu'à notre époque. Pour montrer l'importance de ce chapitre, c'est que nous sommes nous aussi directement concernés par ça. Effectivement, les innovateurs dans la religion sont apparus très tôt dans l'islam.
Peu de temps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les dernières générations de sahaba étaient encore vivantes, hein, Ibn Omar, Anas ibn Malik et autres parmi les grands sahaba des dernières générations, il y avait déjà des dissensions, des discordes, des oppositions à la voix du prophète et celle des compagnons. Naam. Effectivement, Al-Khawarij, la secte de Khawarij, est sortie alors que l'imam, le calife Uthman, était encore vivant. Vous vous rendez compte? C'est quelque chose qui déjà avait cours à l'époque des sahaba. Jusqu'à notre époque, des gens d'innovation sont présents, qu'on le veuille ou non. Alors, il y a toute une série de comportements à adopter vis-à-vis de ces gens-là. Comment on doit se comporter avec eux? Non. Est-ce que on doit, comme le shir, comme le mu'allif va l'expliquer, est-ce qu'on doit les appeler à l'islam? Est-ce qu'on doit les rejeter? Est-ce qu'on doit les châtier? Toutes sortes de comportements adoptés. Et on verra que le mu'allif, l'auteur du livre, ramène, parmi les paroles des pieux prédécesseurs, des situations adéquates et appropriées à chaque type d'innovateur et d'innovation. Mais avant de rentrer dans ceci, le mu'allif va nous donner une vision globale. Comment les gens de la sunna considèrent les gens d'innovation et comment ils se comportent envers eux, d'une manière générale, sans rentrer dans les détails. Idan, yaqulu al-mu'allifu, حفظه الله تبارك وتعالى ذاكرا قول الإمام الصابوني في عقيدة السلف حيث ذكر الإمام الصابوني معتقد أهل السنة وعقيدة السلف أصحاب الحديث ثم ذكر ما اتفق عليه جميعهم وأجمع عليه من موقفهم من أهل الأهواء والبدع. Donc ici, Mu'allif va rapporter une des paroles de l'imam Sabouni. Je vous rappelle que l'imam Sabouni, c'est un des grands savants qui nous ont précédés, parmi les premières générations de musulmans, qui a rédigé un traité, ou plutôt qui a rédigé un livre, qui renferme tous les fondements des gens du hadith. Et les gens du hadith, ce sont les gens de la sunna, comme on l'a déjà vu. Yaqulu l'imam Sabouni, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Écoutez bien mes frères, je vais le citer en arabe par respect pour la parole de cet imam, je vous le traduirai en français, mais je vous demande toute votre attention car ceci constitue pour nous des fondements. Non, constitue pour nous des fondements desquels on ne peut déroger. Si vraiment on se réclame des gens de la sunna. Yaqulu l'imam, wa hadhihi al-jumal allati athbattuha fi hadha al-juz'i kanat mu'taqada jami'ihim. لم يخالف فيها بعضهم بل أجمع عليها كلها واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. الإمام الصابوني dans la croyance des salaf évoque la croyance des gens de la sunna et la croyance des salaf, gens du hadith, puis il cite ce sur quoi ils étaient unanimes et ce sur quoi ils se sont réunis concernant leur position envers les gens de la passion et de l'innovation. Donc ici, il rapporte quoi, ce qu'on appelle un ijmar, un consensus des savants sur la position à adopter envers les gens d'innovation. Et tafaku, ou ittafaqa, salafuna salih, il dit, écoutez bien mes frères, l'imam Sabouni, il dit, après avoir cité tous ces athars des gens des salaf, il dit, ces textes que j'ai enregistrés et confirmés dans ce chapitre constituent la croyance de chacun d'entre eux, sans opposition, mais bien au contraire, ils furent tous unanimes dessus. Il en est de même qu'ils furent unanimes sur l'assujettissement des gens de l'innovation, l'humiliation portée sur eux et la honte, leur éloignement des gens et l'éloignement d'eux, de l'éloignement de leur compagnie et de leur cohabitation. Et aussi, ils sont unanimes sur le fait de se rapprocher d'Allah en s'écartant d'eux et en les délaissant. هذه براءة كاملة. C'est un désaveu complet
envers les gens de l'innovation. Ne soyez pas choqués par ce genre de propos, mes frères. Les salafs, ils avaient compris la dangerosité, comme on va le voir, et je vais ramener des textes dessus, ils avaient compris la dangerosité de l'innovation religieuse et de ceux qui appellent à elle. C'est pour ceci qu'ils avaient des positions très très fermes. Ne pas leur tenir compagnie, ne pas cohabiter avec eux, al-mu'ashara, et aussi, ils sont unanimes, et regardez, écoutez bien, ils sont unanimes sur le fait que, en s'écartant d'eux et en les délaissant, ils se rapprochent d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc tout ceci pour eux, c'est un acte d'adoration par lequel ils se rapprochent d'Allah. Non. En écoutant ce genre de propos, ou cette parole de l'imam Sabouni qui a déclaré l'ijma' sur ça, l'ittifaq. Il faudrait que nous, on considère notre comportement vis-à-vis des gens de l'innovation. Est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce qu'on était comme les salafs? Ou alors on fait preuve de laxisme? Non. Chacun doit se poser la question. Il dit aussi, l'imam Sabouni, ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مغرت بالآذان وقغرت في القلوب ضغرت وجغرت من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جغرت وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Il continue, il dit, les gens de la sunna, ils détestent les gens de l'innovation, ceux-là même qui ont innové et inventé dans la religion ce qui ne fait pas partie d'elle. Ils ne les aiment pas, ne les côtoient pas, n'écoutent pas leurs propos, ne s'assoient pas avec eux, ne polémiquent pas avec eux sur la religion. Ils préservent leurs oreilles de leurs mensonges. Cela même, ces mensonges-là, ce qu'on appelle des shubuhat, des ambiguïtés religieuses. Celles-là même qui, dès lors qu'elles traversent les oreilles, plutôt, s'incrustent dans les cœurs, nuisent et occasionnent ce qu'elles occasionnent comme insinuation et mauvaise voie à suivre. Effectivement, mes frères, les salafs, et en premier lieu les sahaba, ne s'asseyaient pas avec les gens de l'innovation. Bien au contraire. Non. Pour quelles raisons? Pour les raisons qu'a évoquées l'imam Sabouni ici. C'est que, en écoutant les gens de l'innovation, et on avait vu ce cours la semaine dernière, pour ceux qui s'en rappellent et qui étaient là, c'est que un innovateur, lorsqu'il va te tenir propos, il va te mélanger le vrai avec le faux afin de cacher le vrai et de propager le faux. Naam. Wala talbisu al-haqqa bil batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun. Comme Allah avait réprimandé Bani Israël, ne mélangez pas le vrai et le faux en cachant sciemment la vérité. Naam. Donc c'est une chose, c'est une caractéristique propre aux gens d'innovation. C'est lorsqu'il va te tenir propos, il va venir avec des hadiths du prophète, avec des versets coraniques, sans aucun doute. Et c'est par ce biais-là que tu risques d'être trompé. Mais en ramenant ces versets coraniques et ces hadiths du prophète, il va injecter sa croyance personnelle, sa conception, sa philosophie, son idéologie, contraire à la celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu ne pourras pas faire la différence entre le vrai et le faux. Tu n'auras pas le recul nécessaire et la science nécessaire pour faire ce qu'on appelle le tamiz. La distinction entre le vrai et le faux. Et c'est à ce moment-là que les ambiguïtés religieuses rentreront dans tes oreilles et s'incrusteront dans ton cœur. Comme a dit l'imam Sabouni. Et je ramènerai tout à l'heure des paroles des salafs qui mettent l'accent sur cette chose-là. Donc mes frères, avant de vous asseoir dans des assises de science, regardez qui c'est qui va vous enseigner votre religion. C'est un principe de base. Ne vous asseyez pas avec n'importe qui. Et si vous ne connaissez pas la personne qui est en face de vous, ne vous asseyez pas. Afin de préserver
votre islam qui est la chose que vous, qui est la chose la plus chère que vous pouvez posséder. Là, enfin, je suppose. C'est la chose la plus chère que vous possédez, c'est votre islam. Avant vos parents, avant vos enfants, avant tout ce que vous possédez dans cette vie-là, la chose par laquelle vous serez sauvé le jour du jugement, c'est votre islam. La chose par laquelle vous serez heureux dans cette vie-là, c'est votre islam. Donc, il convient de le préserver. Donc, parmi les choses qui vous sont demandées, c'est de toujours vérifier qui c'est qui vous apprend votre religion. Est-ce que c'est une personne qui est sur la voie de la sunna, qui a été recommandée par les savants de la sunna, ou alors c'est une personne qui parle par sa raison, ou alors c'est une personne qui est connue pour être, pour faire partie des gens de l'innovation, etc. On doit se poser la question, mes frères. Et si on n'a pas la réponse, on s'abstient de s'asseoir. C'est comme ça que faisait Salaf al-Salih. Non ? C'est comme ça que faisaient nos pieux prédécesseurs. Et c'est pour ça qu'eux, ils ont réussi. Je vais ramener des propos clairs et nets sur ce principe. Yaqulu al-mu'allif, Cheikh Rastan hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, Afwan, j'ai oublié de vous citer un verset coranique qu'a cité l'imam al-Sabouni. Il dit, il cite le verset coranique suivant. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. C'est surat al-An'am. C'est un verset coranique, on va l'expliquer inshallah en rapportant les paroles des savants, où Allah réitère cette mise en garde. La première fois, c'est le verset qui se trouve dans surat al-An'am, où Allah dit tabaraka wa ta'ala, lorsque tu vois ceux qui pataugent dans des discussions sur la religion, la polémique dans le faux, hein, essayez d'interpréter les versets coraniques et les hadiths du prophète selon des interprétations non valides et fausses. Si tu vois ces gens-là discuter sur les versets d'Allah, tabaraka wa ta'ala, alors détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils changent de discussion. Non ? Jusqu'à ce qu'ils changent de discussion. Ce verset-là, on va l'expliquer, inshallah, en détail. Al-imam al-mu'allifu yaqul Cheikh Rastan حفظه الله تبارك وتعالى وهذا نص قرآني كريم يحدد فيه ربنا سبحانه وتعالى صراط الحق المستقيم في معاملة أهل الأهواء والبدع. Il dit Cheikh Rastan حفظه الله تبارك وتعالى, ceci est un texte coranique où Allah délimite la voie droite à adopter concernant la relation envers les gens de la passion et de l'innovation. Donc ce verset coranique vient nous donner notre ligne de conduite quant à notre comportement à adopter envers les gens de la passion et de l'innovation. Puis il cite le verset coranique. Allah dit tabaraka wa ta'ala, écoutez bien ce verset coranique. Wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri wa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin. Ce qui signifie, et quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. C'est un ordre coranique, c'est un ordre divin ou c'est pas un ordre? Éloigne-toi d'eux. Non? Verbe à l'impératif. Le verbe à l'impératif implique l'ordre religieux, sauf si on a un texte qui nous montre l'istihbab, c'est-à-dire la recommandation. Mais ici, c'est un ordre religieux. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ba'da zikra, fala taq'ud ma'a al-qawmi adh-dhalimin, ne reste pas avec les injustes. Qui sont les injustes ici? Alladhina yakhuduna fi ayati Allahi tabaraka wa ta'ala. يقول الإمام الشوكاني, l'imam al-Shawkani, mes frères, c'est un imam, on peut dire mu'asir, contemporain, qui a vécu au 19e siècle. Donc, il est mort en 1255. De l'égir. Écoutez bien ce que dit l'imam al-Shawkani. L'imam al-Shawkani, pour la petite histoire, c'est un imam qui est passé par plusieurs mazhab, c'est-à-dire plusieurs voies. Il était chiite, non, min al-Zaydiya, de la voie zaydite, chiite, jusqu'à ce qu'Allah l'a guidé, tabaraka wa ta'ala, et l'a raffermé dans la voie des salaf. Comme salam wa rahmatullahi wa barakatuh. يقول هذا الإمام رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله
وَيَتَلَاعَبُونَ بِكِتَابِ وَالسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Il dit dans ce verset, il y a une exhortation importante envers celui qui s'autorise ou permet l'assise avec les innovateurs. Comme on le voit de nos jours, mes frères. Ce laxisme par rapport à ce point-là est déroutant, si on peut le dire comme ça. Beaucoup de frères vont s'asseoir avec des innovateurs en disant ou sous prétexte, je prends de lui ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, je le rejette. Ou alors, je vais écouter telle cassette de tel soi-disant savant, en prenant de lui ce qui est bien, car il est fort dans la langue arabe, par exemple. Ou alors, dans le hadith, il est fort. Tout en sachant qu'il sait qu'il a des déviances et des erreurs. Mais il se donne une bonne conscience. Il se légitime tout seul la chose en disant, je prends de lui ce qui est bien, et le laisse et le reste, je le délaisse. Et il s'appuie pour ceci sur un hadith. Vous connaissez tous ce hadith où le prophète a chargé Abu Huraira radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu de préserver les biens de la zakat. Non? Et Shaitan est venu à lui, Abu Huraira, sous l'apparence d'un homme, a volé de la zakat. Abu Huraira a vu ceci, l'a attrapé une première fois. Cet homme-là a juré en disant qu'il ne recommencerait plus. Puis une deuxième fois, puis au bout de la troisième fois. Cet homme-là lui a dit, écoute, si tu me laisses partir, je vais t'apprendre quelque chose qui te préservera de moi par la suite. Alors il lui a dit, Abu Huraira lui a dit, quelle est cette chose que tu veux m'apprendre? Il lui a dit, lis Ayat al-Kursi. Après quelques jours, Abu Huraira, parti voir le prophète, il lui a relaté ce qui s'était passé, sa discussion avec cet homme. Et le prophète lui a dit, c'était Shaitan qui est venu sous l'apparence d'un homme. Non. Il a été véridique dans ce qu'il t'a dit, bien que ce soit un grand menteur. Sadaqaka wa huwa kadhub, comme a dit le prophète. Donc, ces gens-là, qui s'assoient ou qui se permettent de s'asseoir avec les gens d'innovation, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bah, regardez Abu Huraira. Il a pris de Shaitan une parole de vérité, bien que Shaitan, c'est un grand menteur. Non. Ils prennent ce genre de propos hors contexte, ou ce genre de hadith hors contexte, pour légitimer le fait qu'il s'assoit avec les gens de l'innovation. Mais bien sûr, ça ne constitue pas une preuve. Car Abu Huraira, s'il savait que c'était Shaitan devant lui, il ne l'aurait jamais écouté. Non? Mais justement, il ne savait pas que c'était Shaitan. Il l'a su que lorsque le prophète l'en a informé. Or, ces gens-là, qui s'assoient devant les gens de l'innovation, ils le font en âme et conscience. Ils savent pertinemment que la personne qui est en face d'eux a des erreurs. Subhanallah al-Azim. Comme disait Salaf, la aman li ahadin an tatasalla al-bid'atu fi qalbihi. Personne n'est à l'abri sur le fait qu'une innovation religieuse s'incruste ou s'infiltre dans ton cœur. Personne ne peut se prétendre à l'abri de ça, d'une shubuhat, d'une ambiguïté religieuse. Si les salaf, comme on va le voir, se préservaient de ce genre de choses, que dire de nous alors, qui ne connaissons presque rien de notre religion? Non. فَلَا يَأْمَنُ مَقْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Il n'y a que les gens voués à la perte qui se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Personne ne peut se sentir à l'abri de la mécréance, de l'innovation religieuse, des péchés, du shirk, du kufr. Personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Ya muthabbit al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui raffermis les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. C'est une invocation que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam très souvent. Et Ibrahim disait, Wa junubani wa baniya anna abud al-asnam. Et Ibrahim disait, ô Seigneur, préserve-nous de l'adoration des idoles. Imaginez-vous ces grands prophètes, c'est les deux plus grands prophètes qui demandaient à Allah l'affermissement dans le khir, dans le bien, dans l'islam, dans le tawhid. Et ils demandaient aussi la préservation de commettre le shirk. Et nous, ce sont à l'abri des innovations religieuses. Non? Donc c'est quelque chose
qui n'est pas concevable, ni au regard des textes religieux, ni au regard de la raison. Je continue la parole d'Imam Shawkani. Donc il dit, l'Imam Shawkani, dans ce verset, il y a une exhortation importante envers celui qui s'autorise ou qui permet l'assise avec les innovateurs, cela même qui dénature la parole d'Allah, qui joue avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'appuie sur leurs passions égarantes et leurs innovations corrompues. Non ? الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة. نعم. ثم يقول رحمه الله تبارك وتعالى: فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم وذلك يسير عليه غير عسير. Si cette personne-là qui s'assoit avec ces gens d'innovation, il ne les réfute pas et n'essaie pas de changer ce sur quoi ils sont, alors la moindre des choses qu'ils puissent faire, c'est de s'éloigner de leurs assises, et ceci est facile pour lui et non difficile. Ah, mes frères, rappelez-vous ce qu'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam muslim, d'après une version de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Celui qui voit une chose répréhensible, qu'il le change de sa main, c'est sans sa possibilité. S'il ne peut le faire, il doit le changer par sa langue. S'il ne peut le faire, il doit le réprouver par son cœur, et ceci est le plus bas degré de la foi. C'est-à-dire que s'il ne le réprouve pas par son cœur, c'est sa foi qui est en danger. Là, chaque café. L'âme. Comme va le rapporter tout à l'heure l'imam al-Qurtubi, Arida ou bil kufri kufrun. Celui qui agrée la mécréance, c'est une mécréance. Thumma yaqul al-imam al-Shawkani, wa qad yaj'aluna hudurahu ma'ahum ma'a tanazzuhihi amma yatalabbasuna bihi. شبهة يشبهون بها على العامة فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. Écoutez bien, parce que ça aussi, mes frères, c'est quelque chose d'actualité. Et les gens d'innovation jouent dessus, à profusion. Regardez bien ce que dit l'imam Shawkani. Ils feront, les gens d'innovation, ils feront de sa simple présence avec eux. Donc, lorsqu'ils voient quelqu'un de la sunna qui s'assoit avec eux, ils vont utiliser ça à leur avantage. Regardez ce que dit l'imam Shawkani. Ils feront de sa simple présence avec eux, malgré le fait que lui, il n'adhère pas à leurs ambiguïtés. Ils feront de sa simple présence avec eux une ambiguïté par laquelle ils tromperont le commun des gens. Non ? Ils diront, s'assoit avec nous, الشيخ الفلاني من أهل السنة. نعم. A participé avec nous à telle occasion, Cheikh Ibn Baz, ou Cheikh Al-Albani, ou Cheikh Al-Uthaymin, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire ? يلبسون ويشبهون على الناس, على عامة الناس. Ils essayent de corrompre et de tromper le commun des musulmans en disant, eh bien regardez, vous dites qu'on est des innovateurs, mais Cheikh Ibn Baz est avec nous. Cheikh Al-Albani s'assoit avec nous. Cheikh Al-Uthaymin s'assoit avec nous. Non. Ça, c'est quelque chose qui est courant chez eux. Non. Donc, l'imam Shawkani, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, bien que cette personne des gens de la Sunna, elle n'adhère pas à leurs innovations, mais le simple fait qu'ils s'assoient avec eux, ils vont par le simple fait qu'ils s'assoient avec eux, créer une ambiguïté auprès des gens, par laquelle ils tromperont le commun des musulmans. Sa présence avec eux comportera un méfait supplémentaire venant s'ajouter au fait qu'il écoute des choses répréhensibles. Naam, fi mafsadatan. Naam, fi mujalasatihi ma'a ahl bid'ah mafsadatan. Al mafsadatu al ula sama' al munkar. Al mafsadatu al thaniya annahum ha'ula al mubtadi'a yulabbisuna wa yushabbihuna 'ala al nas bi mujarrad al mujalasa. Ah oui, Mujagradi, el-Hudur. Donc, première mafsada, comme dit l'imam Shawkani,
c'est qu'il écoute le munkar, il écoute les ambiguïtés, il écoute le bid'a. Donc déjà ça c'est préjudiciable pour lui. Deuxième mafsada qui vient s'ajouter, comme dit l'imam Shawkani, ça va créer un doute chez les gens. Il fait partie des gens de la sunna. Ah, ça veut dire que ces gens-là qui, chez qui il s'est assis, doivent sûrement faire partie des gens de la sunna. Non, ça crée la confusion chez les gens. Allez, c'est kazali qui est quoi? Hada maqala l'imam Shawkani. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, يقول donc l'imam al-Qurtubi c'est un imam qui a vécu au 7e siècle de l'Hégire, il est mort en 671 de l'Hégire. Non. Peu de temps après la naissance de Cheikh Islam ibn Taymiyyah. Fil Andalus. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا في سورة النساء والذي تبارك وتعالى il vous a déjà certes été révélé. Donc ici le verset sur la Nisa, et Allah ici, il vous a déjà certes été révélé, il parle du verset que je vous ai cité peu avant, de surat al-An'am. Et je vous ai dit qu'Allah a cité cette problématique dans le Coran à deux endroits différents. Non? La première fois fait surat al-An'am, la deuxième fois fait surat al-Nisa. Ceci nous prouve la dangerosité et l'importance de cette chose-là. Elle doit être prise en considération, en haute considération même. Allah dit... Il vous a déjà été certes révélé dans le livre, dès lors que vous entendez les versets d'Allah qui sont reniés, rejetés, pris en raillerie. Ne vous asseyez pas avec eux. Fala taq'udu ma'ahum. Jusqu'à ce qu'ils tiennent un autre propos ou d'autres propos. Car sinon, si vous le faites, vous serez comme eux. Écoutez bien ça, mes frères. Vous serez comme eux. Comment vous serez comme eux? Leurs ambiguïtés sur lesquelles ils tiennent propos rentreront dans vos cœurs. Naam. Tatasallalu bida'uhum wa maqalatuhum fi kulubikum. Wa tasallul, mes frères, l'infiltration, elle rentre dans le cœur furtivement. On ne peut pas savoir qu'elle rentre dans ton cœur. Vous ne vous en rendrez même pas compte. Naam. Et vous continuerez de dire, je fais partie des gens de la sunna, mais vous en serez sortis sans vous en rendre compte. Non. Regardez ce que dit Allah. Innakum idham mithluhum. Vous serez comme eux. Hatta fil hukmi. Même dans le statut juridique. Quelqu'un qui fréquente les gens d'innovation. Non. Nahkumu alihi bi annahu minhum. Les gens de la sunna, lorsqu'ils voient une personne fréquenter les gens d'innovation, ils le comptent parmi eux. Non. Il le compte parmi eux. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Celui qui s'apparente ou qui s'assimile à des gens fait partie d'eux. Non? Donc Allah dit innakum mithluhum. Vous serez comme eux et Allah rassemblera les hypocrites et les mécréants ensemble dans le feu de l'enfer. يقول القرطبي concernant ce verset coranique que je viens de vous citer. يقول دل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم ورضى بالكفر كفر قال الله عز وجل إنكم إذا مثلهم فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل الآية. Écoutez bien, il dit Allah a prouvé par ce verset coranique l'obligation religieuse de s'écarter des pécheurs أهل المعصية lorsque le répréhensible apparaît, car celui qui ne s'écarte pas d'eux est comparable à celui qui les agrée. Et l'agrément de la mécréance constitue une mécréance. Non? Allah dit, certes, vous serez comme eux.
Toute personne s'asseyant dans une assise de désobéissance et ne réfute pas leurs propos est comparable et équivalent à eux dans le péché. Il est nécessaire qu'ils réfutent leurs propos dès lors qu'ils prononcent la désobéissance et agissent en conséquence. S'il ne peut le faire, s'il n'a pas la capacité de réprouver ce mal, il est de son devoir de se lever afin qu'il ne fasse pas partie de ceux cités dans le verset. C'est clair, mes frères ? Yaqulu wa idha thabata tajannubu ashab al-ma'asi kama mar fa tajannubu ahli al-bid'i wal-ahwa'i awla. L'imam al-Qurtubi dit si ceci, si ce verset coranique concerne les pécheurs, ceux qui font des péchés. Naam. Des fois, on trouve ce genre d'assises, même chez des frères, même peut-être pas des frères qui sont dans les tisam, mais chez des musulmans, comme ça, dans le commun des musulmans, on peut trouver des fois des assises où on parle de choses qui sont répréhensibles. Naam. On parle de choses de haram. Et des fois, on se trouve au milieu de ces discussions. Et on n'ose pas dire que ce sur quoi ils sont en train de parler, c'est haram, etc. Donc la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de sortir, s'écarter. D'accord ? L'imam Al-Qurtubi dit, si ce verset coranique concerne les pécheurs, alors l'éloignement des gens d'innovation est à plus forte raison concernée. Non. Si ce verset coranique concerne Al-Majalis min Ahl al-Ma'asi, les assises des gens qui parlent du haram, ils parlent de femmes, ils parlent des paris sportifs par exemple, c'est haram mes frères, ne restez pas dans les discussions. Non, ou alors réfutez. Si ce verset coranique se rapporte à ce genre de discussion, alors à plus forte raison, il se rapporte aux gens qui parlent sur l'innovation religieuse ou qui parlent par des propos qui relèvent de l'innovation religieuse. À plus forte raison, ce verset s'applique sur ces gens-là. يقول الإمام القرطبي وقال عامة المفسرين هي محكمة وروى جبير عن الضحاك قال دخل في هذه الآية كل محدث في الدين إلى يوم القيامة. Donc l'imam al-Qurtubi, il dit l'ensemble des exégètes, c'est-à-dire des commentateurs du Coran, disent c'est un verset muhkam. On avait vu ce que ça voulait dire, muhkam. Hein? Muhkam, c'est un verset qui est clair en lui-même, qui constitue une preuve légitime en lui-même, hein? Qui n'a pas besoin d'un autre texte du Coran ou de la Sunna qui viendrait l'expliquer. Muhkam. À partir de ce verset-là, on peut en déduire des règles religieuses. Hein? Muhkam, clair. Donc l'imam al-Qurtubi dit, c'est un verset qui est muhkam. Et il dit, Jouer rapporte de Dahak. Qui a dit, est concerné par ce verset coranique, tout innovateur dans la religion, jusqu'au jour du jugement. Hein? Voilà pourquoi, Al-Mu'allif a rapporté la parole de l'imam Shawkani, ou la parole de l'imam Al-Qurtubi, sur l'explication de ces deux versets, car en fait, il vient aussi corroborer le fait que l'éloignement des gens de l'innovation religieuse est une obligation religieuse. On n'a pas le choix. Non, mes frères? Donc, ne soyez pas trompés par ceux qui vous disent assieds-toi auprès d'un tel, prends de lui dans la langue arabe, prends de lui dans le tajwid, prends de lui parce que c'est un bon orateur, hein, prends de lui quand il parle de Yawm al-Qiyama, non, fil wa'id, fil wa'd wal wa'id, ou fil mu'iza, et ces erreurs, laisse-les. On avait ramené ce principe-là au début de nos cours où l'imam Ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah tabarak wa ta'ala, disait Al-Qa'idatu, Al-Khashabiyya, la règle en bois qui dit Na'zuru ba'duna ba'da fima nakhtalifu fi wa nata'awanu ba'duna ba'da fima ittafaqna alayhi. Sur les choses sur lesquelles on est d'accord, on s'entraide entre nous. On se soutient, hein, les uns envers les autres. Mais sur les choses sur lesquelles on est en désaccord, alors on se pardonne. Et on ferme les yeux. Non ? Eux, ils l'appellent. Ces gens-là qui ont inventé cette loi, ils l'appellent la loi en or. Al-Qa'idatu, ou la règle en or. Al-Qa'idatu al-Zahabiyya. Al-Shal'a Thamini l'appelle Al-Qa'idatu al-Khashabiyya, la règle en bois.
C'est-à-dire qu'elle n'a aucune valeur. Non ? C'est un fondement qui est faux. C'est-à-dire que sur les choses sur lesquelles on diverge, eh ben on passe. D'accord ? On se pardonne mutuellement. Même si ces erreurs ou ces divergences entre nous relèvent des fondements de la religion. C'est totalement faux. Mais c'est une règle qui vient détruire l'islam de l'intérieur. Quelqu'un qui prétend que les 12 imams, parmi les chiites, la secte des 12 imams, qui prétend que les 12 imams connaissent l'invisible, connaissent ce qu'il y a en détail dans la table gardée, qui prétend qu'ils dirigent l'univers avec Allah tabaraka wa ta'ala, qu'ils prétendent qu'ils ont le pouvoir de pardonner ou de châtier, de faire rentrer au paradis et en enfer qui ils veulent. Est-ce qu'on va fermer les yeux dessus? Est-ce qu'on peut accepter ça? Jamais de la vie. On n'accepte pas ça. Non. Hadim al-Kufriyat, ça fait partie des actes de mécréance. Ces gens-là, ils te disent non. Fermons les yeux dessus, rassemblons-nous sous la bannière de l'islam. Ben, si c'est ça l'islam n'a plus aucun sens. Si l'islam comprend le tawhid et le shirk en même temps, ça n'a plus aucun sens. Non. Mais bien au contraire, l'islam, c'est le tawhid. Non, c'est le tawhid et c'est la mise en garde contre eux, ce qui l'oppose, le shirk billah. Et l'islam, c'est tiba' al-sunnah. Et c'est ce qui l'oppose, c'est la mise en garde contre l'innovation et ceux qui l'a et ceux qui s'y adonnent et qui appellent à elle. Taïf. Yaqul al-mu'allif, hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, wa al-nususu ba'du mutadhafiratun على هجران المبتدع ومجانبته لشؤم البدعة وعظم خطرها في الدين وتسلل مقالات أهل البدع إلى الصدور وتفسد القلوب وتعمي البصائر. Ça c'est la parole du mu'allif, Cheikh Raslan, qui dit: ces textes coraniques viennent conforter le fait de délaisser et abandonner l'innovateur au regard des calamités que provoquent les innovations et le grand danger qu'elles occasionnent dans la religion, au regard de l'infiltration de ces innovations dans les poitrines, au regard des propos des innovateurs, de la corruption des cœurs et l'aveuglement des clairvoyances. Hadin mafasid nam min shu'mi al-bid'ati wa ahliha. Ça fait partie des calamités et des dangers qu'occasionnent les innovations religieuses et ceux qui s'y adonnent. ثم يقول المؤلف والذي يتدبر الكتاب والسنة يجد أن الدين مبني على أصلين عظيمين وهما. Celui qui médite sur le livre et la sunna trouvera que la religion est fondée sur deux fondements. Donc vous voyez que ici le mu'allif, il a donné pour ce chapitre une vision générale du comportement que doit avoir le sunni, celui qui est sur la sunna, envers les gens de l'innovation religieuse. Et il a donné surtout al-hukm al-shar'i, le statut légal. Naam. Autrement dit, l'obligation religieuse de s'écarter de l'innovation et de ses partisans. Naam. Puis ici, le mu'allif vient nous rappeler un principe important dans la religion. Naam. Un principe important dans la religion. On le retrouve partout. Ce principe, c'est ce qu'on appelle al-ta'silu wa al-tahdir, ou alors al-ithbat wa al-nafi. Naam. Al-ta'silu, c'est l'enracinement. Naam. C'est le fait de consolider les choses et d'enraciner les choses. Wa al-tahdir, c'est la mise en garde et le délaissement. De même que le premier pilier de l'islam se constitue d'une négation et d'une affirmation. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et l'affirmation de toute l'adoration qui doit être portée à Allah. Il en est de même concernant la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'affirmation, ou plutôt la négation de tout ce qui viendrait contredire la sunna du prophète, comme innovation religieuse, comme désobéissance, et l'affirmation et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est seulement le suivi de sa sunna. Je vous rapporte une parole qui a été Cheikh Raslan, qui ne se trouve pas dans le livre, mais que j'avais noté en marge de ceci, concernant ces deux principes, at-ta'sil
والتحذير. يقول المؤلف: أعلى، فقد أعلى الله قدر العلماء الذين قاموا بهذين الأصلين معا. Il dit que Allah a élevé la valeur des savants qui se sont appliqués à observer ces deux principes. Naam. Allah a élevé la valeur et la notoriété des savants qui se sont appliqués à respecter, naam, et à observer ces deux principes. التأصيل والتحذير. Naam. يقول المؤلف: فهما أصل الدين، تأصيل الحق وبيان والتحذير من الباطل بكل أشكاله. Naam. L'enracinement de la vérité et de son éclaircissement et la mise en garde du faux sous toutes ses formes. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Quiconque renie ce qui est adoré en dehors d'Allah et croit fermement en Allah, saisit l'anse la plus solide. C'est un verset coranique qui se trouve dans Surat al-Baqarah et qui vient expliquer شَهَادَتْ أَلَّا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ. J'ai expliqué la première partie du premier pilier d'islam qui est La ilaha illallah. Naam. La ilaha illallah signifie nul ne mérite l'adoration sauf Allah. Naam, mes frères. Nul ne mérite l'adoration sauf Allah. Donc, nul ne mérite l'adoration. Nafyun. Naam. C'est une négation. C'est la négation et le reniement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et, en contrepartie, c'est affirmer et établir l'adoration d'Allah. Donc, c'est ce que signifie ce verset coranique qui vient expliquer Shahadat Allah ilaha illallah. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Tariq ibn al-Ashyam al-Ashja'i, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث كي connaissez tous: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. Le prophète a dit صلى الله عليه وسلم dans le hadith rapporté par Tariq ibn al-Ashyam al-Ashja'i, sahabi al-Jalil, qui a dit: celui qui dit لا إله إلا الله et qui renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang sont sacrés, sont préservés, et son compte revient à Allah. C'est-à-dire qu'une personne qui prononce ouvertement shahada, alors nous le considérons comme un musulman, de telle sorte que ses biens et son sang sont sacrés. Ceci est corroboré par un autre hadith, hadith de Abdullah ibn Omar, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'il témoigne que nul ne doit être adoré qu'Allah tabaraka wa ta'ala et que Mohammed est son envoyé et qu'ils accomplissent sa prière et qu'ils s'acquittent de la zakat. S'ils font ceci, ils auront préservé de moi leur bien et leur sang, sauf à bon droit dans l'islam. Et leur compte revient à Allah. C'est-à-dire celui qui dit shahada, on le considère comme un musulman. Amma, la réalité de sa foi, est-ce qu'il l'a dit, mais son cœur n'en est pas convaincu? Ou alors est-ce qu'il l'a dit pour se protéger du calife, naam, ou pour protéger ses biens et son sang? Naam, Allahu a'lam, ceci n'est pas de notre ressort. Ceci ne fait pas partie des choses sur lesquelles on doit porter notre attention. C'est pour ça que le prophète a dit « wa hisabuhu 'ala Allah ». La réalité de sa shahada, elle revient à Allah, tabaraka wa ta'ala. Walakin hukman, islamuhu al-hukmi, son islam juridique, si on peut le dire comme ça, dans cette vie-là, c'est ce qu'il fait apparaître de sa langue et de ses actes du corps. S'il dit, ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammad rasulullah, nahkumu alayhi bil islam, on le considère comme un musulman, non? Même si son cœur est en contradiction avec ceci.
Donc ici, le prophète a dit ça aussi. Il dit, celui qui dit la ilaha illallah et qui renie avec ça tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, celui-là, ses biens et son sang seront préservés, d'accord ? Et son compte et la réalité de sa parole revient à Allah, tabaraka wa ta'ala. Écoutez bien ce que dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala. Car comme le dit Cheikh Raslan, concernant cette parole, il dit, médite sur cette déduction qu'a fait Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab sur le hadith de Tariq ibn Ashyam al-Ashja'i, car elle est immense et grandiose et fait partie des trésors. Donc je préfère vous citer la parole de Cheikh Raslan. D'abord, afin que vous écoutiez bien ce que va dire Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimallahu tabaraka wa ta'ala, bien que dans le livre, Cheikh Raslan cite cette parole après avoir cité la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc ouvrez bien vos oreilles, inshallah. Yaqulu Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimallahu tabaraka wa ta'ala, عند هذا الحديث. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. Il dit, et ce hadith constitue une des explications les plus claires sur la parole de la ilaha illallah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas considéré la simple prononciation de cette parole comme une protection et une préservation du sang et des biens. Non, le simple fait de le dire n'est pas une préservation du sang et des biens. Non plus, il n'a pas considéré la connaissance de son sens. Car s'il en était ainsi, alors beaucoup de kuffar parmi les Quraïchites qui ont combattu le prophète seraient musulmans, car ils connaissaient exactement ce que voulait dire cette parole « La ilaha illallah ». Et pour preuve, c'est que quand on leur disait, ils s'en fait d'orgueil. « فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ » Et lorsqu'on leur disait « La ilaha illallah », ils s'en fait d'orgueil. Donc s'ils s'en fait d'orgueil, c'est qu'ils comprenaient exactement ce qu'impliquait cette parole comme parole de la langue, croyance du cœur et acte du corps. Donc, le prophète n'a pas non plus considéré la connaissance de son sens, malgré sa prononciation. Non plus la simple reconnaissance du cœur. Naam. Abu Talib, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était convaincu de cette parole. Naam. Il en était convaincu. De sa bouche lui-même, il l'a dit. Est-ce que ça fait de lui un musulman ? Non plus le fait que la personne invoque Allah lui seul sans rien lui associer. Tout ceci ne suffit pas à ce que tes biens et ton sang soient préservés. Mais plutôt, ses biens et son sang ne seront préservés et sacrés que s'il adjoint à ceci le reniement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est ce qu'on appelle « El-kufru bi kulli ma yu'abadu min dunillah ». S'il doute où il hésite, ses biens et son sang ne seront pas préservés. Non ? Donc c'est ce qu'a dit le prophète, Man qala la ilaha illallah wa kafara bi kulli ma yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damu wa hisabuhu 'ala Allah ta'ala. Donc le simple fait de dire la ilaha illallah, non, ça ne va pas être pour toi un gage, une garantie ou un gage que tu sois sauvé le jour du jugement. Le fait que tu le prononces et que tu y crois dans ton cœur, ce n'est pas suffisant. Le fait que tu le prononces, que tu y crois dans ton cœur et tu comprends le sens et que tu n'invoques que Allah, ceci ne suffit pas. Il faut y adjoindre le reniement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et le reniement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, il se fait comment ?
par le cœur, par la langue, par les actes du corps. Naam, el bara'a, bara'atul qalbi, bara'atul lisani, wa bara'atul jawarih. Naam, bara'atul qalbi, wa lisan, kama qala Ibrahim, wa bada baynana wa baynakumul adawatu wal baghda'u ila yawmil qiyama. Il y aura entre vous et nous, donc il est en train de s'adresser aux mouchriquins, il y aura entre vous et nous l'inimité et l'aversion, c'est-à-dire la haine, jusqu'au jour du jugement. L'inimité, billisan, a'lana billisanihi al-bara'a. Naam, awil adawa, adawatun mu'alana. Hada billisan, qalaha billisan. Wal-baghda, amalu qalb. C'est un acte du cœur, l'aversion. Non seulement il les prend en animosité, il le dit clairement, mais en plus de ça, il ne les aime pas. Donc c'est un désaveu. Un désaveu du cœur aussi, une aversion. Naam, jusqu'au jour du jugement. Naam. Wal bara'atu bil fi'li aw bil a'mal al jawarih huwa tarakahum wa hajarahum. Il les a délaissés, il est parti. Il a réalisé ce désaveu avec ses trois facettes. Donc c'est ça que le prophète ici nous demande. Naam, al kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Le reniement, le délaissement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, que ce soit avec la langue, avec le cœur ou avec les actes du corps. Et regardez ce que dit Cheikh Raslan. Et pourquoi il a ramené ceci? Car là, on parle de tawhid. Naam. Mais on sait que le tawhid, il est intimement lié au suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour preuve, c'est que les deux constituent le premier pilier de l'islam. Qala, hadith ibn Omar, qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Ibn Omar a dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah dire, l'islam est basé sur cinq piliers, témoigner que nul ne doit être adoré qu'Allah, et juste après que Mohammed est son envoyé, ce qui signifie que le suivi du prophète est intimement lié à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut adorer Allah correctement en suivant une autre voie que celle du prophète. On ne peut suivre le prophète correctement si on adore autre qu'Allah. D'accord ? C'est impossible. Les deux vont de pair. Donc, Cheikh Raslan, il dit, de même, وَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ رَجُلُ مُتَّبِعًا هَدْيَ الْمُصْطَفَ الْمُخْتَارِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يُضِيفَ إِلَى اتِّبَاعِ الْهَدْيِ هَجْرَ الْمُبْتَدِعِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُجَانَبَةِ الْبِدْعَةِ مَعَ اتِّبَاعِ السُنَّةِ. Cheikh Raslan dit, de même, l'homme ne peut se prétendre suivre la guidée de l'élu, sallallahu alayhi wa sallam, sans y adjoindre le délaissement de l'innovateur. Il est nécessaire de s'écarter de l'innovation et il est nécessaire de suivre la sunna. Non? Pourquoi ici, Al-Mu'allif ramène ou dit ce propos? Car il est en... Il vient le ramener ici en parallèle de ce qu'il a expliqué concernant Kalimat al-Tawhid. La ilaha illallah. Naam. On ne peut réaliser la ilaha illallah qu'en délaissant tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et en affirmant l'adoration d'Allah. On ne peut suivre le prophète correctement qu'en délaissant ce qui s'oppose au suivi du prophète, c'est-à-dire l'innovation religieuse et les mubtadi'in, et ceux qui s'y adonnent. Naam. Et d'affirmer par la suite le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle an-nafyu wal-ithbat, la négation de tout ce qui n'est pas conforme et l'affirmation de tout ce qui nous est demandé et conforme. يقول المؤلف رحمه حفظه الله تبارك وتعالى ولا بد من إضافة شيء آخر وهو أن تكون مجانبا وهاجرا للبدع وأهلها محذرا من البدع ومن أهلها مع بغض البدعة وأهلها. Il est nécessaire de rajouter une chose supplémentaire, c'est le fait que tu t'écartes et délaisses l'innovation religieuse et ses adeptes, que tu mettes en garde contre elle et contre ses adeptes en ayant de l'aversion envers l'innovation et ses partisans. وَلَا تَكُونُ مُتَّبِعًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى تَأْتِيَ بِهَذَا الْأَصْلِ كَمَا مَغْرَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ. Tu ne seras un véritable suiveur de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que tu appliques ce fondement de même qu'il te
fut demandé d'appliquer ce fondement concernant la parole d'unicité au regard du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالتحذير من أهل الزيغ والبدع والهوى أصل من أصول ديننا الحنيف حفظا للشريعة الغغراء وحماية للمسلمين من العقائد الفاسدة والأهواء المرضية. La mise en garde contre les gens de la déviance, la mise en garde contre les gens de la déviance, de l'innovation, des passions, est un des fondements de notre religion, afin de préserver notre éclatante sharia, de protéger les musulmans contre de fausses conceptions ou contre le suivi des passions mortelles. Effectivement, mes frères, celui qui suit ses passions et qui s'y complaît est destiné à périr. Donc, Al-Mu'allif ici nous a rappelé ce principe de base. At-ta'silu wa tahdhir. L'enracinement dans la vérité, dans ce qu'Allah nous demande, et aussi en parallèle, le délaissement, la mise en garde, l'éloignement de tout ce qui n'est pas conforme. Après ceci, Al-Mu'allif va ramener quelques paroles des salafs concernant le comportement qu'ils adoptaient envers les gens de la passion et les gens de l'innovation. Et vous allez voir que, après ceci, vous verrez que les savants de notre époque ne font pas preuve de dureté, comme ils ont été accusés à tort. Non, mais bien le contraire, ils sont sur ce sur quoi étaient nos pieux prédécesseurs. Taïb. يقول المؤلف وقد حذر العلماء من مجالسة أهل البدع ومخالطتهم وأقوالهم في هذا الأصل من أصول منهج النبوة كثيرة جدا. Donc il dit, les savants ont certes mis en garde contre l'assise dans les assemblées des gens de l'innovation ou contre le fait de se mélanger à eux, leurs propos sur ce principe de la voie prophétique, منهج النبوة, sont très nombreux. فعن ثابت بن عجلان قال أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخرساني وثابت البناني والحكم بن عيينة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد غرقاشي وسليمان وسليمان بن موسى كلهم يأمرني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. إدي ثابت بن عجلان. J'ai rencontré, donc c'est un tabi'i, j'ai rencontré Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, c'est un sahabi. Ibn al-Musayyib fait partie des premières générations de tabi'in. Donc il dit, j'ai rencontré Anas ibn Malik, Ibn al-Musayyib, Al-Hassan al-Basri, Sa'id ibn Jubair. Tout ça, c'est des grands noms, mes frères. Wa Sha'bi, wa Ibrahim al-Nakha'i, wa Ata ibn Abi Rabah. Donc, Ibn al-Musayyib, Al-Hassan al-Basri, Saïd ibn Jubair, qui était un des grands élèves de Abdullah ibn Abbas, Sha'bi Ibrahim al-Nakha'i, Ata ibn Abi Rabah, qui était un des grands élèves d'Abdullah ibn Abbas, Taousan, Mujahidan, Abdullah ibn Abi Mulaika, Zuhri qui a appris beaucoup de Anas ibn Malik, comme on l'avait vu, et d'Ibn Omar, Makhouran, Al-Qasim, Abd al-Rahman, Ata al-Khurasani, وثابتا البناني والحكم بن عيينة وأيوب السختياني. Voilà mes frères, ça c'est des grands noms. C'est des grands noms, les grands savants de la Sunna. C'est comme des étoiles dans le ciel. Pour vous rendre compte de un petit peu de leur notoriété dans la science et dans leur religiosité, il faut que vous lisiez un petit peu leur biographie. C'est nécessaire. Sinon vous pourrez jamais apprécier leurs propos. Non. Revenez au livre des Tarjamat, alors Kutub al-Rijal, les livres qui ont été rédigés sur les biographies des pieux prédécesseurs. Et vous verrez comment ils étaient dans toutes choses. Abu Ayyub al-Sakhtiyani, wa Hammadan, wa Muhammad ibn Sirin, wa Abu Amir. Abu Amir,
il a côtoyé Abu Bakr al-Siddiq. C'est un tabi'i qui a côtoyé Abu Bakr al-Siddiq. Wa Yazid al-Raqashi, wa Suleyman ibn Moussa, wa kulluhum. Tous ceux-là, tous ces gens-là que j'ai cités, qu'il a cité Thabit ibn Ajlan, ils disent, ils m'ont tous ordonné de m'accrocher au groupe Al-Jama'a. Et je vous rappelle qui est Al-Jama'a. Jama'atul Mu'minin, Al-Oula. Le premier groupe des croyants qui sont Sahaba. Naam. Même s'ils constituent une minorité parmi les gens. Peu importe. Ici, le critère de jugement ne réside pas dans le nombre que constitue cette Jama'a. Mais le critère du jugement, c'est la vérité sur laquelle est la Jama'a. Naam. كما قال عبد الله بن مسعود الجماعة أن توافق الحق ولو كنت وحدك الجماعة c'est que tu es c'est que tu sois sur la vérité même si tu es tout seul et on avait ramené un hadith du prophète où le prophète disait à Sallallahu alayhi wa sallam فقد رأيت النبي ومعه أغرحت le prophète a dit j'ai vu le jour du jugement un prophète avec à ses côtés un petit groupe de gens. Le peu de gens qui l'ont suivi. وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ أَوْ الرَّجُلَانِ Et j'ai vu un prophète avec lui une personne ou deux. وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدْ Et j'ai vu même un prophète venir tout seul le jour du jugement. C'est-à-dire que personne ne l'a suivi. Et bien ce prophète, mes frères, il constitue la Jama'a. Naam. C'est le groupe. Donc pourquoi on a gardé ce terme de Jama'a? Car c'était le groupe qui était autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont pris les enseignements du prophète qui constituent en fait les sahaba. Donc cette terminologie-là elle est restée. Naam. Même si les gens de la sunna chez les gens de l'islam constituent une minorité. Mais il reste le Jama'a nisbatan ila Jama'ati al-Oula min al-Ra'il al-Awwal min al-Sahabati al-Kiram. Non. Donc il dit, ils m'ont tous ordonné, tous ces gens-là, de m'accrocher au groupe et m'ont interdit de fréquenter les gens de la passion. Non. Les gens de la passion, al-bidah, les gens de l'innovation. Hada fi tarikh al-Fasawi, ma'rifa wa tarikh al-Fasawi. Wa qala Mufaddal ibn Muhalhal. لو كان صاحب البدعة إذا جالست إليه إذا جالست صحيح كوريج إن شاء الله إذا جالست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك ببدعته عفوا ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك Ça, c'est l'expérience et la science qu'avaient les salafs salih. Il dit, Al-Mufaddal ibn Muhalhal, si un innovateur, dès lors que tu t'assois avec lui, te parle de son innovation, prends garde de lui et fuis. En général, il te tient propos en utilisant au début de son assise des hadiths de la sunna. Non. Puis, il insère son innovation furtivement. Non. Et là, elle se peut qu'elle s'accroche à ton cœur. Il se peut que cette shubuha ou cette innovation, elle s'accroche à ton cœur. Et quand est-ce qu'elle sortira de ton cœur? Quand est-ce qu'elle s'en détachera? Non, mes frères. You know, la shubuha, l'ambiguïté religieuse, facilement elle rentre dans les cœurs. Facilement elle s'incruste ou elle s'infiltre dans les cœurs. Mais elle en ressort que très difficilement. Il est là le danger, mes frères. Non. Il est là le danger. Car pour qu'une ambiguïté sorte du cœur, il faut qu'une personne vienne à toi et ramène une argumentation solide qui va te convaincre non, que ce que tu crois, c'est faux. Non. C'est pas comme une passion. Quelqu'un qui s'adonne à des passions. Il sait qu'il est en train de faire du haram. Donc lui, il a besoin de quoi? Il a besoin des exhortations, d'un rappel. Hein? Là, mon frère. قال الله تبارك وتعالى fais ceci ne fais pas cela le prophète a dit ceci et il rapporte des hadiths etc. il l'exhorte et la personne en général dit non je sais que tu as raison
qu'Allah nous facilite, qu'Allah me raffermisse, etc. C'est facile pour lui, parce qu'il reconnaît qu'il est dans des erreurs, dans le marsia, dans le péché. Amma, celui qui est touché par une ambiguïté religieuse, il est convaincu qu'il est dans le vrai. Donc c'est une toute autre affaire. Hein? Celui-là, il n'a pas besoin d'exhortation. Celui-là, il a besoin d'une argumentation solide. Il faut que tu lui ramènes la parole d'Allah, la parole du prophète, avec un argumentaire ou une argumentation claire et nette. Non, il faut être patient avec lui, car c'est rare qu'une personne va être convaincue du premier coup. Non, il va falloir être patient, il va falloir réitérer, il va falloir avoir tout un comportement. Non. Donc, l'ambiguïté religieuse, elle a du mal à sortir. C'est ce que dit ici Al-Mufaddal ibn Muhalhal. Non. Et tu vas t'asseoir avec eux, elle va rentrer dans ton cœur, tu vas en être convaincu, mais quand est-ce qu'elle en sortira? Non, peut-être qu'elle n'en sortira jamais. Et peut-être que tu mourras dessus. Non. Donc, il faut faire très attention à ça, mes frères. Taïb. Yaqul al-mu'allif. Ahlul ahwa afatu ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de la passion constituent la calamité ou le mal de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils évoquent le prophète et les gens de sa famille. فَيَتَسَيَّدُونَ بِهَادَ الذِّكْرِ الْحَسَنِ الْجُهَالَ مِنَ النَّاسِ. Non. Il dit, ils évoquent en bien le prophète et sa famille. Non. Mais par ceci, ils cherchent à quoi? À attirer avec eux les ignorants parmi les gens. Effectivement, mes frères, on avait vu ça. Une personne, un innovateur, lorsqu'il appelle à sa voix, son innovation, justement, elle comporte du vrai et du faux. Si elle ne comportait que du faux, les gens s'empresseraient de la réfuter. Non. Si elle ne comporterait que du vrai, ça ne serait par définition pas une innovation, mais ça serait quelque chose qui serait conforme à la religion. Mais le fait qu'elle soit indécelable, justement, au commun des gens, Juhal al-Nas, c'est qu'elle comporte, justement, ce mélange entre le vrai et le faux. Non. Et les gens ne peuvent pas distinguer ce qu'il y a entre eux, ce qu'il y a de bien et ce qu'il n'y a de pas bien. Donc, les gens de l'innovation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ils vont exalter, évoquer la famille du prophète en bien, non, ou le prophète en bien, afin de gagner les cœurs. Non. Et par derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, tout simplement, ils vont rentrer leur poison. Ils vont appeler alors innovation religieuse, après que le formatage des cerveaux a été effectué. Non. C'est ce que veut dire ici le mu'allif. Il dit فَيَتَسَيَّدُونَ بِهَدَ الذِّكْرِ الْحَسَنِ الْجُهَالَ مِنَ النَّاسِ يَتَسَيَّدُونَ, c'est-à-dire ils vont partir à la chasse. Non. Avec ces propos élogieux sur le prophète et sa famille, et ils vont égarer, ils vont essayer de chasser quoi? Les ignorants parmi les gens, pas les savants. Les ignorants parmi les gens. فَيَقْذِفُونَ بِهِمْ فِي الْمَهَالِكِ, ils vont les jeter dans la perdition. فَمَا أَشْبَهَهُمْ بِمَنْ يَسْقِي السَّبِرَ بِسْمِ الْعَسَلِ, ils sont comparables et assimilables à celui qui donne ou celui qui abreuve ou qui donne à boire un sabir. Un sabir, vous savez c'est quoi sabir? C'est un médicament qui est utilisé dans certains pays. C'est de l'aloès médicinal. On appelle ça sabir. C'est un goût amer. Il dit, ils sont comparables à celui qui donne ce sabir, ce médicament, en disant que c'est du miel. Non? وَمَنْ يَسْقِ سُمَّ الْقَاتِلَ بِسْمِ التَّرْيَاقِ, ou alors celui qui fait boire un poison létal, un poison mortel, en disant que c'est un antidote. Non? Ils sont comparables à ces gens-là. Non? قَالَ الْفُضَيْلِ ابْنُ عِيَاضٍ, ça aussi c'est une parole qui doit rester dans vos mémoires, Inch'Allah. Fadil ibn Iyad, qui fait partie de la génération de Atba'i Tabi'i. يقول رحمه الله تبارك وتعالى من جلس مع صاحب بدعة فاحذره ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد آكل مع اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة.
Fadl ibn Iyad dit, celui qui s'assoit avec un innovateur, prend garde de lui. Prend garde de lui. Celui qui s'assoit avec un innovateur, il ne lui sera pas accordé la sagesse, al-hikmah. J'aimerais qu'il y ait entre moi et l'innovateur une fortification de fer. Hasnun bil hadid. Manger avec un juif et un chrétien, mais préférable que de manger avec un innovateur. Là, pour quelle raison, mes frères? Pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Si un juif et un chrétien viennent manger avec toi, ou viennent s'asseoir avec toi, leur égarement, il est évident. Leur mécréance, elle est évidente. Ils ne risquent pas de t'influencer. Ils ne risquent pas de t'insuffler des choubouhats ou des ambiguïtés religieuses, contrairement à l'innovateur. Non. C'est pour ça que l'imam Fadl ibn Iyad dit, rahimahullah, j'aimerais qu'il y ait entre moi et lui, ou entre moi et eux, une fortification de fer, afin de préserver ma religion. Vous trouverez peut-être ces propos exagérés, ou Wallah, ils ne sont pas exagérés. Ou Wallah, ils ne sont pas exagérés. Non. Et je vous parle en connaissance de cause. C'est rare que vous trouviez une personne qui s'assoit avec les gens d'innovation sans qu'il ne soit touché. Et il peut rester des années comme ça. Allah nous en préserve. Wa qala Habibu ibn Abi Zibriqan rahimahullahu ta'ala. Kana Muhammad ibn Sirin idha sami'a kalimatan min sahibi bid'atin wada'a usbu'ayhi fi udhunayhi thumma qala la yahillu li an ukallimahu حتى يقوم من مجلسه. حبيب ابن أبي الزبرقان رحمه الله a dit, Mohammed ibn Sirin mettait ses doigts dans ses oreilles lorsqu'il entendait un innovateur parler. Non, mes frères. Et il disait, il ne m'est pas permis de lui parler jusqu'à ce qu'il quitte cette assise, cette assemblée. Là, mes frères, il mettait ses doigts dans ses oreilles. Mohammed ibn Sirin. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est Mohammed ibn Sirin. Non. Min a'immati tabi'in. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, قال, من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مجالسة أصحاب الأهواء فإن مجالستهم أرسك من الجرب. عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله تبارك وتعالى عنه disait, celui qui souhaite honorer sa religion, qu'il s'écarte des assises des gens de la passion, car leur assise est plus collante que la gale, est plus collante que la gale. Vous savez la gale quand elle vous touche? Non, elle est dure à enlever. Non. Eh bien, il dit, leurs assises est plus collante que la gale. C'est-à-dire, dès que la personne y prend goût, khalas, ce sera très dur pour revenir en arrière. Abdullah ibn Mas'ud, afwan, قال ibn Abbas, radiallahu anhuma, la tujalis ahl al-ahwa, fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Parole de sahaba, mes frères. Si ce n'est les sahaba les plus savants. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, ne t'assois pas avec les gens de la passion, car leur assise rend les cœurs malades. Car leurs assises rend les cœurs malades. Rappelez-vous ce qu'avait dit Allah tabaraka wa ta'ala, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Et c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre duquel contient des versets clairs, muhkama, et d'autres qui constituent la base du livre et d'autres à ambiguïté. فأما الذين في قلوبهم زيغ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَى الْفِتْنَةِ وَابْتِغَى التَّأْوِيلِ. Quant à ceux qui ont une déviance dans le cœur, ceux-là cherchent les versets à ambiguïté afin de créer
Al-fitna, c'est-à-dire les troubles, la dispute, les discordes, les dissensions, non, la division, et al-ta'wil, et l'explication, mais l'explication invalide. Al-ta'wil al-fasid, non. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Mais nul ne connaît la vraie interprétation sauf Allah. Ou alors, une deuxième lecture qu'on peut faire de ce hadith, وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَهْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Et nul ne connaît l'explication, le tafsir, ici, ta'wil bimar le tafsir, sauf Allah et les gens enracinés dans la science. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, en commentaire de ce hadith, dans le hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après le verset de Aïcha, radiallahu anha, قال, النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Si tu vois ceux qui suivent ces versets en ambiguïté, non, alors ce sont ceux qu'Allah a nommés dans ce verset. Alors prends garde d'eux. Non. Cette parole du prophète, mes frères, elle nous prouve bien que التحذير من أهل البدع وأهل المعاصي أصل من أصول الدين. Contrairement à ce que disent certains. La mise en garde contre les innovateurs ou contre les gens enclins à la déviance est un des fondements de notre religion. Pour preuve, c'est que le prophète lui-même l'a fait. Sallallahu alayhi wa sallam. Non. طيب أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا في الحق حتى نلقاه تبارك وتعالى اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم لحسن استماعكم يا أخوتي الكرام وقل رب زدني علما